Prigent. Asensio. Prigent toujours. Je vous l'ai dit, mais je vous le répète, les deux attaques que vous avez en présence, celle de Rennes et celle de Nantes, sont les deux meilleures de première division. Oh là là, Siatka a donné en retrait à son gardien, Pellegrini était là, et lorsque la balle vient d'un partenaire, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est donc, si Pellegrini avait récupéré cette balle, une occasion dangereuse pour les Rennais. Santos, intervention de Cédolin. On sent les deux équipes assez contractées en ce début de match. Il est vrai que pour l'une comme pour l'autre, le résultat est d'importance. Surtout après la défaite de Strasbourg hier soir. Nantes pouvant s'échapper et Rennes pouvant revenir au classement de la première division. Müller. Ah, Monsieur Bondon donne un coup franc en faveur de Nantes pour obstruction de l'oncle. Coup franc joué par Müller. Le Chénadec. Le Chénadec qui avait remis au centre et c'est le premier corner de la partie qui est concédé par le Rennais Cédolin. Corner tiré par Blanchet. Simon. Pellegrini. Rodiguero. Pellegrini à nouveau. Débord de Budzinski. Centre. Et la balle rebondit sur le poteau. Alors que semble-t-il, Léon aurait eu du mal à capter ce ballon. Première action très dangereuse pour le Stade Rennais. Contre-attaque menée par Boukalfa, contrée par Lavaux. Vous avez vu ce centre-tir anodin de Pellegrini, mais la balle a rebondi sur l'arête du poteau et il semble bien là que le gardien nantais Éon aurait eu toutes les peines du monde à capter ce ballon. Asensio. Rodiguero en profondeur pour Dubaël. Dubaël dans les 18 mètres. Crocheté, l'arbitre ne dit rien. Siatka aux prises avec Pellegrini. En retrait à son gardien Éon. Eh bien le match est, je crois, bien lancé. Simon. Santos. Simon. Donne sur la droite à Blanchet. Faute de main de Cardier. Oui, oui, l'arbitre l'a vu. Prigent. Simon, Cédolin, l'oncle. Pellegrini aux prises avec le Chénadec. L'oncle. Dubaël. Et probablement corner. Oui. Corner en faveur de Rennes. Le deuxième. Et cela à la 33e minute. Tiré par l'oncle. Tête. Oh! Et la balle est dans les buts. Tête réussie par Dubaël, accompagnée par Pellegrini. Et la balle termine sa course au fond du filet. Cela à la 32e minute du match. Sur le corner de l'oncle, tête de Dubaël, la balle lobe tout le monde et Pellegrini l'accompagne au fond des filets. Rennes mène par conséquent par 1-0.